The Voice All Stars plus fort que The Artist. Selon Le Parisien, France 2 a décidé de modifier le jour et l'heure de diffusion du concours de musique, uniquement consacré aux auteurs, compositeurs et interprètes. Ainsi, l'émission présentée et produite par Nagui ne sera plus diffusée le samedi en prime time, mais le vendredi en deuxième partie de soirée, juste après la série César Wagner. Selon le journal, cette décision est prise en commun accord entre la direction de la chaîne publique et son animateur vedette qui n'ont pas choisi de raccourcir la durée de la compétition. La chaîne publique a dû se rendre à l'évidence après la chute des audiences de The Artist, 1,3 million de téléspectateurs pour sa première diffusion le 11 septembre, 990 000 la semaine suivante, et enfin 847 000 ce samedi 25 septembre. Les deux derniers samedis, France 2 s'était même retrouvé à la 5e place, derrière TF1, France 3, M6 et France 5. Nagui va-t-il trouver la bonne recette pour relancer les audiences? Depuis le lancement de l'émission, The Artist a connu de nombreux changements pour attirer les curieux. Au début, les 22 candidats en lice étaient jugés sur une reprise d'un tube, et seuls ceux qui étaient en ballotage pouvaient chanter leur propre composition. Mais face au premier retour décevant, la production a décidé de changer son fusil d'épaule. Par la suite, les 19 sélectionnés de la première soirée ont donc pu être directement évalués sur leur titre. Ils ont aussi été divisés en deux groupes, répartis sur deux soirées pour éviter les prestations trop rapides. Nagui a également choisi de changer les membres du jury, pour les remplacer par des visages plus connus des téléspectateurs. Exit donc Emmanuel Biro et Elodie Mermoz, bonjour Pascal Obispo et Benabar, qui ont accompagné Gaëtan Roussel samedi dernier. Une stratégie qui peine pour le moment à faire ses preuves.